Bah quoi? Reste pas planté là. Et il s'est fait bolosser, évidemment. Par Antonin, Justinien, Justien, enfin Justin, Sébastien et Aurélien, Émilien, bref, tous les noms qui finissent en 1, bien évidemment, hein, du Gondoré, enfin des Gondoréens, ça fait plaisir. Ah, une armure de Rorim, ça je suis impatient de voir à quoi elle ressemble parce que j'en ai jamais eu des comme ça. L'armure du Rouen, attention. Ouh là là, ça pue le style! Oh, ça transpire la classe! Oh, elle est prestige! Et ça, c'est la même en version bleue, d'accord. D'accord, d'accord. Mais en rouge, elle est prestige. Ça, c'est l'armure verte du prestige. Ça, c'est l'armure de Rorim, donc version... Oh, elle est rouge et bleue! Oh, c'est Fantabob Games! Oh, c'est Superman! Oh, c'est bon, c'est bon. Je sais quelle armure je vais prendre, c'est garanti. Celle-ci, l'armure gondoréenne de... Antonin le Gondoréen, donc c'est une armure de super-héros, c'est classique. Celle-ci, c'est la même, mais d'une autre couleur. Ouais, vous voyez. Elle est plutôt classe. C'est la même encore d'une autre couleur. Oh, Goldé Rare. Oh là, l'armure de bronze, l'armure de cuivre et l'armure goldée, quoi. L'armure d'or du chevalier phénix. C'est magnifique. Et celle-ci, fais voir. Oh là là, mais elles sont toutes plus... Elles puent toutes plus le style les unes que les autres. Elles puent tellement le style. Oh, oh là là, mais comment tu veux que je choisisse? Comment tu veux que je choisisse? Bon, on va partir sur l'armure de Superman. Voilà. Je suis littéralement habillé comme Thor. Je suis Thor. Et bien évidemment, le Thor tue. Donc allons-y. Les orques sont innombrables à présent. Ils se préparent à un autre assaut. Fanta a raison. Nous devons réduire leur nombre. Je propose des grenades. Personne n'a vu ton père après la bataille. Mes hommes sont à sa recherche. Oh mais tiens, il a des couilles lui. Bonjour. Mais quel est donc ce maléfice? Le roi sorcier en personne vient négocier. C'est l'arme de mon père! Les orques détiennent votre général. Acceptez d'envoyer le rôdeur de la Porte Noire. Mourir aux mains de mon champion. Et après sa défaite, votre chef vous sera rendu. Sinon, de terribles souffrances vous attendent tous. C'est toi que je veux, Talion du Gondor. Bon. Vous comprenez que... Les Uruks ne connaissent pas la pitié. Que mon père est peut-être déjà mort. Ils nous provoquent. Il ne faut pas les... Les Uruks aiment le spectacle. Si vous pouvez les distraire dans l'arène, nous pourrons nous faufiler dans leur camp pour trouver mon père. Puis-je compter sur vous? Pour tuer les orques, toujours. Le spectacle sera inoubliable. Tâchez de ne pas le tuer trop vite. Bon. Partant du principe de toute façon que Talion est immortel et ne fait que ressusciter même après s'être arraché ses propres entailles, on peut faire ça et les tenir occupés. Hein. Ils semblent croire aux chances de leur champion. Et pour être honnête, il est plutôt massif. Il a l'air vénère! Mais nous avons l'avantage du nombre. Te voilà donc dans notre arène, sale pourceau. La foule est en délire quand le sang coule à flot. Et je sens que tu vas la satisfaire. Oh, oh, oh. Urdan. Il me plaît, l'enfoiré. Il a peur des exécutions, enragé par le froid et les blessures mortelles, et dernier survivant. Donc il sera enragé tout le long. C'est génial. Tu vas mourir. Bats-toi. Hein? Attends, c'est pas la bonne arme.
C'est pas la bonne arme, excusez-moi. Je suis pas équipé de la bonne arme. Voilà, parce que j'ai le costume de Thor, mais maintenant j'ai le marteau. Hey Bambi, bouffe ça. Oh, il est empoisonné. Oh ben non, ben c'est triste. Wow, doucement. Yop là, je te tiens et tu... Ok, pas mal. Oh, le plaquage. Bien joué. Je devrais pas jouer trop avec mon adversaire. Oulia, je te tiens. Oulia, oulia. Et olé, tu veux voir du spectacle? Rodeo, rodeo. Ouah, je l'ai vexé, je l'ai vexé. Par contre, il faut que je tienne, parce que le combat est censé durer un peu de temps et... Oh là. Je cours plus vite que toi. Olé, olé. Trop vite pour toi, trop de vitesse, trop de talent. Oula, la petite patate dans la bite. Oh, on t'avait dit qu'il fallait pas frapper les gens dans la bite, hein, c'est pas poli. Ton âme. Ah merde, il a pas d'âme. Ah, on perd un temps fou. Hammer time. Zoup. Ouah, blep. Ah, ça, celle-ci, je l'ai payée. Je reconnais, c'est de ma faute. Oula, oulé. Oula. Ouah. Olé. Et voilà. C'est bientôt fini. Il est terrifié par les exécutions. Est-ce que je peux le choper du coup? Oui, je peux. C'est fini. Débarrassez-moi de lui. C'est fini. Ulia. Oh là 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 là. Are you not entertained? J'ai trahi la confiance de notre seigneur. Mais ses plans demeurent inchangés. Il a de grands projets pour ta ville, pour Sceau. Et pour toi aussi, bien sûr. Qui tu traites de puceau? C'est quel bouton? Oh putain! Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la manette et je me suis fait baiser! Il y a eu un cambriolage! Oulier! Réparons ça! Voilà! Blablabla. Je me marre toujours autant avec les ragdolls de ce jeu! J'aurais jamais dû quitter mon marais! C'était bien. Un peu trop. Idril a besoin de temps. Dois-je faire des pirouettes? Oui, façon de parler. Bon, dans ce cas-là... provoquer la foule. Excusez-moi! Excusez-moi! Est-ce que j'affronte des ourouks ou des petites filles? Je suis venu jusqu'à cette arène pour combattre le champion de Sauron! Et j'attends toujours! C'est quoi ce gringalet? Massacré? Par quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, parlez-vous! Exécution instantanée par contre. Y a pas de respect. J'aime bien combattre dans la fosse, mais je commençais vraiment à apprécier le siège. J'ai drôlement hâte de pouvoir m'y remettre. Mais ne va pas croire pour autant que je compte bâcler le travail. Scout. T'es déjà un travail bâclé, je veux dire, t'as vu ta tronche? En quoi t'es une menace? Oh. À moi l'argent. Alors messieurs, j'attends toujours. Hola. Olé. Hola. Olé.
toujours, j'attends. Hein. C'est quand vous voulez. Hein. Bien tenté. Tu vas mourir. Classé. Oui. Bon, vous êtes mignon, mais je n'ai pas le temps de traiter avec vous. Allez. Souli. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est un peu bugué. Allez. Allez. Ouch, bien joué. Ah, ah. J'avais pas remarqué ma vie. Oh, c'est beau comme pose. Oui. Malheureusement, il n'a pas pu la tenir. Oh. Et du coup, en faisant ça, je viens d'enflammer 3 ennemis. Je viens d'enflammer 3 ennemis, ce qui me permet d'accéder à l'amélioration de mon épée. Mmh. Oh là 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 là. Et là, je deviens un vrai super-héros, les enfants. Qu'est-ce que c'est comme truc? Enflammer une bait. Ah, ok. Allons-y. Et là, par contre, chaque coup critique enflamme une cible. Tu te rends compte qu'on a dû interrompre le siège pour ça? Je pourrais incendier les étables et mettre à sac la grande salle. Mais non! Il faut que je m'occupe de ce rôdeur porose. Alors dépêche-toi de mourir pour que je puisse m'y remettre. Mais aucun problème, aucun souci, je serai ravi de t'exécuter! Ah, j'ai plus de... Ah si, c'est bon, il est mort. L'empoisonnement. J'avais un peu de spoutre sur mon marteau, ça s'est bien passé. Messieurs, bonjour. Le radar a eu du bout. Je comprends pas ce qui cloche chez ce pourceau d'humain. Il désirait un vrai combat. Et je débarque. Tout gomme. Eh ben voilà. T'étais où? T'étais où, enculé? Je veux dire, t'aurais dû être là depuis le début. Très bien. Voyons voir. Non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. C'est pas grave. Oula. Hop là. Raté. Hop là. Olé. Oula. Et de deux. Oula là là là, j'aime pas ça du tout. C'est reparti pour un tour. Notre dernier affrontement remonta des lustres, et c'était pas la porte à côté. Mais c'est cet endroit que tu as choisi pour te faire massacrer. Et moi, je respecte ça. Eh ben respecte ce que tu veux. Spam, 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 spam. Esquive. Roulez. Ah, bien joué. Oh là là, il est anti-saut. Là, ça va être un problème. Ah. Anti-saut va être un problème. D'où Jésus. Ah. Ok, très bien. Très bien, très bien. Commencer à se battre un peu plus stratégiquement. Ah, une stratégie idéale. Messieurs, si vous voulez bien venir. Oulia! Tu la vois ma stratégie? Ah. Ah, anti-saut. Je te tiens. Meurtre, 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 meurtre. Ah! Ouh là là, raté! Tac 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 tac! Non, non, il faut remonter, il faut remonter! Oh. Ouah! Je vais faire des vrais mouvements incroyables! J'aurais jamais le temps de boire son âme! Si, j'ai eu le temps! Sublime! Quelle chance! Oula! D'où tu me tapes alors que j'étais en train de faire une exécution? Tac! Oh oh. Ah putain. Arrivez-vous. Tac. Ah.
clip. Oula, oula, oula. J'ai su respecter ma part du marché. Et votre champion, on a fait de même. Pour affronter cet ennemi pitoyable, le Seigneur des Ténèbres promet la clémence. Regardez maintenant le Seigneur de Lumière. Je ne fais aucune promesse. Fuyez! Fuyez! Trouvez votre maître et donnez-lui ce message. Je lui ferai la peau. Parfait! Parfait! Le Kélébri de Bork a pris le dessus qui était vénère. Ah putain, c'était cathartique. Il a fait 200 ans de thérapie en 3 minutes. Voilà. À la question pourquoi il a pas fait ça depuis le début, j'avais besoin de les tuer. Cette pipe est censée avoir été fabriquée par les Hobbits, une espèce de semi-homme vivant dans le Nord, au-delà des régions que nous connaissons. L'idée d'adulte m'arrivant à peine à la taille me perturbe quelque peu. Mais, après ce que j'ai pu voir au Mordor, un Hobbit serait une perturbation tout à fait bienvenue. Même si je suppose qu'un Hobbit ne tiendrait pas longtemps au Mordor. Si cette conne savait... Enfin. Très bien. Bon, ceci n'était donc pas une pipe. Il ne me manque que de l'herbe. Tout de suite, il veut fumer, lui. Direct. Tu ne risques pas d'en trouver dans les environs. Le général Casimir a été capturé par les forces du roi sorcier et des Idril a sauvé son père. Et je ne sais pas pourquoi je fais cet accent, c'est le mauvais plétro. Mon père est enfermé dans le camp du chef de guerre. Mais ils nous ont repérés avant que nous arrivions à lui. Baranor préfère attaquer à l'aube et frapper en effectif réduit. Mais vous voulez y aller maintenant. Seul. Vous courez droit au suicide. Si j'attends l'aurore, mon père ne sera plus des nôtres. Je ne vous empêche pas d'y aller. Seulement, vous n'irez pas toute seule. Nous irons tous les trois. Tous les trois ? Oui, vous, moi et mon ami imaginaire. Les Uruks capturés l'hiver dernier racontaient des histoires à propos d'un immortel. Moitié homme, moitié spectre. Un démon. Et donc ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Je suis sexy ou pas ? Je pense qu'il nous serait d'une grande aide. L'ombre du panier.